Salut Thomas, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Subnautica Below Zero pour une nouvelle petite partie et puis bah, pour continuer les petites missions. Donc là, je voulais juste vous montrer le coffre parce que j'ai pas mal craft. Donc vous voyez, j'ai été récupérer pas mal de ressources. Hein. De l'or, du cristalline de sulfure, enfin vous voyez, il y a un peu de tout, du diamant, de la magnétite, enfin vraiment pas mal de trucs. Ce que je voulais vous montrer aussi, les gars, c'est dans les crafts ici. J'ai trouvé le propulsion canon, le stasis rifle et le laser cut. Donc voilà, là il me manque encore un blueprint, je crois. Et ces deux-là, je peux les faire. Donc vous voyez, je peux déjà les faire. Mais bon, on va pas s'attaquer là-dessus, les gars. Là, l'objectif, c'est. Attendez, il est où? Non, il est là-bas. Cargo roquette. Donc on va se retrouver là-bas. Juste 2 petites secondes. Cargo roquette, ouais, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Je vais juste quand même reprendre. Si j'ai pas une petite tétaille qui traîne là-dedans, parfait. Et le reste, je garde. Et bah voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc, bah les gars, comme vous avez vu, il y a 600 mètres. Donc, je pense que les 600 mètres, bah je vous reprendrai quand je serai là-bas. Donc, bah tout à l'heure, les gars. Donc, on se retrouve, les gars. C'est juste regardez, on doit être dans un nouveau biome là. Bon, lui, on le connaît, lui, déjà, là. Celui-là, ce vilain, on l'a déjà vu. Mais regardez, ça fait des petites cheminées. Regardez, ça fume carrément au-dessus de la surface. Oh, mais arrête de faire le con, là. Voilà. Regardez. Il y a des petits geysers, là. Alors, je sais pas ce que ça fait. Si on va dessus, je sais pas. Est-ce qu'on peut les analyser? Non. On peut passer dessus? Ouais, y a rien. Y a rien d'extraordinaire, c'était juste. Wow. Y a des petits bruits des fois, les gars. Je vous explique même pas. Oh le délire! Oh le délire! C'est quoi ça? Attendez, on reprend un peu d'air. Oh là là, il est vénère celui-là! Hein? Putain! C'est quoi ce petit truc là? Petit crabe, au calme. Donc alors, j'y suis là? Ouais, c'est ça. On y est. Donc, bah allez. On va aller visiter ça, les gars. Donc, franchement, ça fait plaisir de faire des petites parties terrestres, aller au milieu aquatique. Franchement, ça, je kiffe. Ça, c'est plutôt pas mal. Putain, un hammam. Ah, une source chaude. Ça fait plaisir, ça. Donc, on va se faire un petit... Ah bah, il y en a un deuxième. Ah bah, on est bien ici. On va se faire un petit tour de l'île et puis essayer de voir bah, ce qu'on va trouver, les gars. Ça y est, les gars. On y est. Ça y est. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là je pense qu'il va y avoir des trucs à scanner. On va prendre direct la machine à scanner. Y'a rien. Non non non. Bon, on va pas perdre de temps les gars. On va aller fouiller directement ce qui se passe là-dedans. Donc alors. Ok, on peut déjà crafter ça. C'est pas mal. Ça, on va prendre. Ok. Une éponge. On peut se faire un petit café ou quoi? Super. En tout cas, la machine, elle tourne. Super, mon pote. Fais péter le féca. Je vais prendre une petite étaille d'eau. Ça va pas trop, c'est quoi ça? D'accord, une grande bouteille. Ah bah ça y est, il est tombé. Et bah voilà, ça me réchauffe. Ça m'enlève de l'oxygène, mais ça me réchauffe. Et bah c'est plutôt pas mal, je vais le garder, on sait jamais. Même si je pense que j'en aurais pas besoin. Mais on sait jamais. Ah ça c'est usé encore. Ah merde, on peut s'asseoir maintenant. Ah bah je savais même pas. Ah bah parfait. On va tout scanner les gars. Parce que je pense que ouais, on va avoir besoin de tout ça pour pour faire notre base. Si on doit le faire une base, je pense que comme ça bon, on sera équipé. Je viens de te scanner, non? C'était peut-être pas la même. Non, c'était pas la même, je crois. Non, 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 non. Non, ça on peut l'ouvrir, ça. Non.
Ok, donc petite exploration, non, là c'est d'où on vient. Donc là on a fait ici. Non, on peut pas monter. Bon, tant pis, dommage. Tant pis pour nous. Et alors ici. D'accord, là on arrive, il y a des lits. Donc bon, on va scanner un petit lit. On peut dormir. Ah d'accord, pas mal ça. Ça c'est sympa. Donc là je viens de scanner. C'est quoi ça? Vas-y, je vais imprimer celui-là aussi. Allez. Hop là, petite table. Allez, on imprime tous les gars. Je vous dis, là ça va swinguer dans les constructions après. Ici là non. Ici y a rien. Non. Là. On peut pas les scanner les armoires. On peut pas scanner les armoires. Donc ça c'est un peu chiant quand même. Bon bah je crois que là, on est pas mal. Et si on dort? Est-ce que ça va me faire passer la nuit et directement venir en journée? Si je préfère quand il fait jour, c'est plus beau. Donc alors, ouais, magnifique. Ah, toujours la petite cinématique. Putain, mon frère, t'es tordu les poignets là. Donc bah c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Donc ici on avait fait le tour, hein, je crois. Il y avait rien sur les bureaux. Non. Ouais, je sais, tu peux t'asseoir maintenant. On sait, on sait. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc le fabricateur. Ouais, ok, pas de problème. Ici, on peut stocker des trucs, mais j'en ai pas besoin. Ok. Ok. Donc, bah, il doit y avoir encore des trucs à faire. Donc, alors, on était ici. Et si on continue à monter. Normalement, on devrait. Parce que, normalement, je crois qu'à partir d'ici, je dois pouvoir envoyer. C'est les échantillons qui montent que j'ai fait sur moi la dernière fois. Je vais vous montrer juste. Je pense que ça doit être par là. Ouais, je pense que ça doit être par là. Ouais. Voilà, nickel, c'est là. C'est là, parfait. Oh putain, on va faire décoller une fusée. On va se faire une fusée, carrément, les gars. Et là, c'est quoi ça? Ok. Ok. Eh, mais j'ai pas scanné les tuyaux extérieurs. Faites-moi penser avant qu'on se barre d'ici de faire de scanner la base entière. Parce que j'ai scanné que le mobilier, mais j'ai pas scanné l'extérieur. Donc, bah alors. Putain, sacré fusée quand même, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Ici, ça se passe comment? Ok. Ok. Donc, bah attends, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il charge. Répare. D'accord. Bah, vous voyez, heureusement que j'avais réparé, j'avais fait le pistolet. Pas les réparateurs parce que sinon on aurait été dans la merde. D'accord. Bio scanner sample. D'accord mon frérot. C'est bon ça? On est bien? Et là maintenant ça se passe comment? Faut venir ici. Ah, faut réparer aussi. Il est un petit peu cassé. Ça y est, c'est parti les gars. Oh putain, on va faire un décollage de fusée. Un truc de ouf. Attention. Messieurs, mesdames. Oh putain, le bordel. Ah ouais. Ok, salut. Payload inbound, Vespa. Understood. If anything's wrong, we'll come get you. Hey, why not take a couple days R&R up here anyway? Why don't you take a jaunt down here? Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white, and gray. And temperatures below zero. No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you! Love you. Now what? Non, vous voyez, j'avais pas fait ça.
Vous avez vu, j'avais pas fait ça. J'avais pas scanné la petite base. Donc ça non, ça non, ça. N'écoutez, ça se fait pas non plus, ça là-bas. Non plus. Attends, je vais essayer de monter là-dessus, voir. Si je peux pas faire ça là. Ok. Donc bah je pense qu'on a fait le tour hein, les gars. Je pense qu'on a fait le tour là. On a envoyé notre échantillon sur la lune. Donc je pense que là on est pas mal. Hein. Donc bah voilà les gars, bah écoutez. J'espère que la vidéo ça va vous plaire. Parce que moi bah je kiffe et puis il y a encore vraiment pas mal de trucs à faire. Donc bah laissez le message dans les commentaires si ça vous a plu. Puis on se retrouvera dans une prochaine mission. Donc bah les gars, portez-vous bien. Ciao bye tout le monde.